37 ans. Oh, j'aime beaucoup tes photos. Ah, merci. Tu aimes l'art? Oui, comme tout le monde. Et toi, tu aimes quoi? Tu fais quoi, Bobby? Moi? La découverte, c'est ce qui me passionne le plus. Pareil! Découvrir le monde, la vie, les gens. Oui, c'est passionnant. Oui, c'est ce qui me pousse à avancer au quotidien. Tu fais quoi dans la vie? Commerce, la vente. Et toi? J'ai créé ma propre société de services aux expatriés. Ça fait longtemps que tu es habitué? Oui, depuis longtemps. Tu es de quelle origine? Je suis français de Lyon, à 4 ans à Genève. Et toi? Je vis à Genève depuis enfant. Cool, une vraie genevoise alors. Tu sors souvent? Oui, assez souvent. Et toi, tu sors où? Carouge, plein palais, pas qui? Surtout Carouge, pas qui aujourd'hui? Alors, on se croisera une fois. À bientôt. Tu pars? Oui, je pars. Et les photos te plaisent? Oui, certaines plus que d'autres. Par exemple? Ma deuxième est ma préférée. C'est laquelle déjà? On croirait que tes cheveux sont une perruque. Oui, on peut croire qu'il y en a beaucoup. Et j'aime bien ton regard direct, presque froid, très sexy. Ça, c'est un critique de pro. Et puis les autres sont plus cadrés, plus serrés. Moins bien. Sur cette deuxième, on devine un bout de ton corps. Je suis dans le commerce, et toi? Avocat d'affaires. Tu es célibe? Oui, depuis pas très longtemps, et toi? Oui. Tu cherches quoi ici? Je viens de débarquer, et toi, que cherches-tu? Une relation sérieuse. Tu as une MSN? Non. Pas grave. Tu as des enfants? Non. Mais j'aimerais bien en avoir. Moi aussi. Inconnu 40 ans. J'adore les oranges. Merci. Enfin, une femme qui sort de l'ordinaire, ici. Merci. Bon, moi, mon excentrique. Je n'ose pas. Ah bon? Mais excitant, Laurent. Fâche. Un peu. Et toi? Tu fais quoi dans la vie? Oui, aussi. Dans la construction, architecture. Waouh! Toi, mode? J'adore! Et oui, dans la mode. Je vois que tu es attirée par les deux sexes. Je suis ouverte, et toi? Ouvert, mais pas trop attirée par les hommes. Inconnu 49 ans. Waouh, j'adore. Tu mesures combien? 1m84. Waouh. Sinon, que fais-tu dans la vie? C'est merveilleux. Je suis astronaute. Non, je rigole. Je suis cosmonaute alors. Extraterrestre, c'est sûr. Tu parles bien des langues terrestres? Oui, j'ai appris. Combien de langues terrestres parles-tu? 3 seulement. Et toi? 4, je crois. Mais aussi quelques langues extraterrestres. Alors on va s'entendre. Inconnu, 29 ans. D'où viens-tu? De Genève, et aussi de Vénice. Fais-tu par ici? Suis-moi, plutôt de Mars. Eh oui, les hommes, c'est de Mars, vraiment d'une autre planète. Parfois, les deux planètes se rapprochent, paraît-il. Oui, paraît-il, mais rarement, et ça donne plein d'étoiles. Et comment trouves-tu? Très diverses, mes conclusions échangent. Et toi? C'est intéressant, tout dépend de ce que l'on cherche. Et que cherches-tu? Les étoiles.
Inconnu, 38 ans. Bonjour, Madame Adams. There are creepy and there are kooky, mysterious and spooky. They are all together, ooky, the Adams family. Inconnu, 59 ans. Je vous disais que je vous trouve un petit air valsapparatif que j'aime beaucoup. Inconnu, 42 ans. Bonsoir, êtes-vous capable de me dévoiler vos bas en dégustant une coupe de champagne ou lounge bar dans un palace? Inconnu, 20 ans. Si je serais un petit peu plus âgé, madame, vous pouvez être sûre que vous ne m'échapperez pas. Inconnu, 46 ans. Faire son deuil d'un amour est très long et pénible. Il en reste toujours une trace. Inconnu, 46 ans. Bon, Betty, soyons clairs. Vous ne succombez pas au charme d'un autre avant que de m'avoir rencontré. Je suis en vacances chez mes parents en Bourgogne à 2h de Genève. Si jamais, hasta luego. Inconnu, 46 ans. Et lourd, portrait intrigant. Il me semble correspondre à votre portrait type. Mais désolé, j'ai 45 ans alors que la limite est 45. À bientôt peut-être. Inconnu, 29 ans. Salut Betty, je m'appelle Tony, j'ai 29 ans, je sais ce que c'est. Sûrement trop jeune pour toi, premier abord. Ce qui me pousse à t'écrire, sûrement ta photo est un petit peu. Je fais 186 cm sur